Alors aujourd'hui on est au Palais des Sports de Marseille, donc on a fait notre petite journée de trajet et voilà, on vient d'arriver. À partir de quel moment on dit qu'on est vieille? Moi je pense à partir du moment où on sait qu'il n'y a pas d'opposition, mais on met quand même les chevillères. Et la vieille depuis 15 ans. C'est-à-dire que je suis vieille depuis l'âge de mes 15 ans. Ensuite elle a mis ses coudières. Bah, heureusement parce que j'ai des bleus partout avec vous. Voilà. Des fautes, ça siffle pas. Sarah Michel, grand-mère, toujours en équipe de France. 800 sélections jusqu'au bout. Le stage à l'INSEP, ça s'est bien passé. On a pu vraiment prendre le temps de travailler sur tout notre projet de jeu, offensif, défensif. Donc c'est cool. On a eu pas mal de sessions d'entraînement pour peaufiner tout ça. Et puis là, de commencer les matchs, ça va faire du bien parce que c'est ce qu'on aime. C'est jamais simple de voir des joueuses qui se blessent et qui doivent rentrer. Après, nous, c'est vrai qu'on essaye que ça impacte pas le groupe. Et le groupe est toujours plus important qu'une seule joueuse. Donc voilà, on essaie de continuer de travailler sérieusement. On a aussi beaucoup de chance en France parce qu'on a beaucoup de bonnes joueuses. Donc voilà, on sait qu'il manque pas mal de filles encore, mais on est concentrés pour travailler correctement tout ensemble. Hop, hop, hop. Excuse-moi, j'ai quelque chose à faire. On a fait un petit voyage assez long depuis ce matin, puisqu'on est parti à 8h15 de l'hôtel. On est arrivé à 2h, etc. Donc il fallait un peu décrasser tout le monde pour pouvoir enchaîner les entraînements demain. On commence très sérieusement pour pouvoir après amener un peu de ludique, pour les mettre un peu dans le rythme, sans qu'elles s'en rendent compte. C'est des choses qui peuvent les amener à être un peu plus ensemble, etc. Après, voilà, c'est aussi comme je travaille, donc il y a forcément du ludique dans ce que je fais. On a fait un petit décrassage physique et on a revu un peu tous nos systèmes pour préparer le scrimmage de demain. On s'est plus concentré sur nous et puis même comme c'est le début de préparation, il faut qu'on continue de travailler. Donc on est resté focus sur nous. Je propose qu'on donne un point pour les enfants. Voilà. Bah non, oui, non. Oui. Mais la bonne fois. Lancez franc une après l'autre. Ok. D'accord. Okay. Parce que la première suit. Qui rate a perdu on son a un point. Okay. Okay. Et l'autre. On a bien fait aujourd'hui. Ok. Là, récupérez tes 5 millions là après de ça, sauce. Si vous voulez, je vous remplace. Il faut la déconcentrer. Viens récupérer ton argent. Yes. C'était une belle bataille. On n'est pas passé loin, c'est pas grave. Je m'exprimerai pas mal, je ne ferai pas de commentaires. France. 2001. Yes. Wow. Allez, on fait une marche. Ok. Voilà. Génération 2001, gangue, donc. On est rentré manger à l'hôtel, on fait soin, récup. Et puis après, on va dormir. Il y en a qui ont des petits bobos, donc faut qu'elles voient les kinés. Et moi, je suis juste en récup avec les bottes. Voilà. Bah là, on regarde la demi, les gars des U16 France-Espagne. Voilà, c'est l'ennemi juré en plus. On fait que perdre contre l'Espagne, donc ce serait cool qu'ils gagnent là. S'ils continuent comme ça, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais s'ils se réveillent parce qu'ils en sont capables, ils peuvent gagner. Et on laisse le poignet. Voilà. Ça fait mal. Oh. Je sais qu'elle est hyper concentrée. Je suis grave au glisse. Salut tout le monde, à demain. Bonne nuit, reposez-vous bien. Salut Lisa. J'ai dû apprendre. We'll be right back.
vous aider, toujours se rappeler qu'on a envie, en tout cas, de créer une âme, d'amener de la dureté. Ça, c'est important pour nous. Si on va avoir la chance d'espérer, en tout cas, c'est ça. C'est ce qui caractérise, en tout cas, les équipes qui gagnent. Se battre, quel que soit le contexte. Et pour nous, en tout cas, c'est non négociable. Je le redis là, c'est non négociable. Battons-nous jusqu'au bout. Ça doit être notre ADN, ça. OK ? Arbeit. Le blanc rouge, France. Ouais, c'est pas moi, c'est Lisa. Donc attends, parce que Lisa, la grande fan d'Mbappé, elle oublie le maillot, donc bon, fan, moyen. On a eu une vidéo tout à l'heure et ben on s'entraide, après on doit toujours se préparer, parce qu'on est au début de la préparation, mais après ça va, on se sent plutôt bien, donc ça va, c'est cool. On n'a pas vu les forces de l'équipe d'en face, on s'est vraiment concentré sur nous-mêmes. Et je pense qu'après le match de ce soir, on va voir c'était quoi leur force et ce qu'on devra corriger. On est dans un processus de préparation, mais après c'est vrai qu'un match sans public c'est toujours différent. Donc on sait que l'objectif c'est de toujours progresser match après match, donc on essaie de rester concentré sur ça. Je voudrais juste vous rappeler l'importance de ce match. Nous ce qu'on veut, c'est produire. L'importance, c'est comment on va en tout cas mettre en place ce qu'on a envie de faire. Comment on va être sur le terrain. C'est la fin d'un bloc. Il faut qu'au sortir de ce bloc-là, on comprenne. Ah, on a progressé sur cet aspect. OK ? Allez, bon match. Bleu, blanc, rouge, France ! Après maintenant demain, continuer d'avancer. C'est une équipe qu'on va retrouver au mondial. Il va falloir qu'on tienne toutes ces choses-là parce que donc les jeunes ça va être plus compliqué. Mais il faut qu'on s'habitue à jouer cette équipe-là parce qu'il faudra les battre là-bas. Allez. Le blanc rouge, France. Plus on s'approche, plus je suis émue de voir ça en vrai. C'est énorme et tout. Et surtout, allez Nantes. On est venu voir le match de l'OM, on a été invité donc voilà. On est derrière d'avoir de l'ambiance, après on va voir. C'est immense. Moi je supporte l'Olympique lyonnais. Mais oui, je connais bien le coup, je regarde.
basket, ça ne s'arrête jamais finalement, même au foot. J'ai la preuve, je suis au Vélodrome. Il y a raison sur le pronostic. Moi, David, ouais, mais mon frère était pas loin. J'étais nul. Moi, j'avais mis 2-0 pour Nantes, mais voilà, on était pas à la maison. Donc, belle bataille quand même. Et, allez, Nantes, quand même. Ça fait quelques temps que je me prête à la mission d'accompagner l'équipe de France féminine et je n'ai pas souvenir que sur un même match, il y ait trois joueuses qui honorent leur première sélection en équipe de France. Voilà, c'est peut-être aujourd'hui une première. Alors dans les premières des premières, on va commencer par Assican. Voilà. Ouais, t'es un peu culotté, je trouve. Non, mais bah, je suis hyper contente. C'est la première. Alors, c'est aussi une première pour Marie. Bah, je suis hyper fière et contente de partager ça avec vous, donc merci. La dernière première, c'est Pauline. Voilà. Bah, pas grand chose de plus, je suis très contente et hâte de commencer le match. C'est du bon match, hein, voilà. Merci. Comme je vous l'ai dit ce matin, premier match officiel. On ne déroge pas en tout cas à nos principes. Le premier objectif, je vais le rappeler, l'état d'esprit. Cette valeur en tout cas d'engagement dans ce que je fais. Mais en tout cas, comment je me comporte sur un terrain, ce sera très très important. Et pour moi, cet aspect-là, je le rappelle, parce que j'aime bien rappeler les choses. Comprenez bien aujourd'hui, on va construire autour de ça. Ne pas reculer. Garder la tête haute, de faire peur à l'adversaire. Communiquer, parler, communiquer, c'est très important. En attaque, principe simple, on veut garder le mouvement du ballon. On veut jouer vite, quand on n'a pas la possibilité d'avoir une contre-attaque. Balle intérieure, mobilité derrière. Et je m'aperçois au fil des matchs, ben on le fait bien au début, et après petit à petit, on ne fait plus. Tout sera important, et ne pas douter.
On est chez nous aujourd'hui, on a du public, on a des gens qui sont venus nous voir, en tout cas, essayons de montrer en tout cas le meilleur visage de ce qu'on a pu, en tout cas, on essaie de mettre en place depuis 2 semaines. Bon match. Allez, le coup d'envoi de ce match entre la Bosnie-Herzégovine et la France. Premier match de préparation en vue de la Coupe du Monde qui démarre le 22 septembre. Oh, belle passe, Touré. Ça, c'est parfait. Badiane. Ah là, easy, ce shoot au poste. Marie Pardon. Ah, bien, bonne oui. passe, c'est ouais. super bien joué. Ouais, ouais. C'est magnifique, ça s'entend super bien avec Elena Siak qui n'avait plus qu'à mettre dedans. Écran solide. Et ça fait plus 19. C'est dur déjà, c'est très très dur pour la Bosnie. Dalic. Oh, et la taille qui fait la différence. 2 points pour Ana Dalic. Marine Photo. Oh là 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 là. Ah, ça va vite, hein. Fin de la première mi-temps et pour l'instant, eh ben ça déroule pour l'équipe de France, c'est assez logique. Et ça peut repartir en contre-attaque avec la bonne passe de Fotou, ça va aller au bout, ouais ça va au bout, avec Bancolé. Ok, voilà, bien joué ça. Et voilà son premier panier, Apolline Astier. Touré avec Chéri, bien joué ça, c'est très très bien joué, il faut finir, c'est fait. Oh, c'est magnifique ça! Ah, ça c'est bien. Ouais, c'est ouais, le shoot de Pauline Astier. Bonne lecture pour la sortie du jeu à 2. Allez, Pauline Astier au bout. Score final 87-52. L'essentiel est fait pour l'équipe de France. C'était une bonne première, en plus à la victoire, j'étais juste focus sur être bien en défense, exemplaire d'attaque et juste, donc ça a été, on a gagné, je suis contente. Ouais, la première Marseillaise, je regardais le drapeau comme ça, parce que sinon j'allais un peu rire, mais sinon non, c'était cool, le public était cool, les filles avec moi, donc c'est ça. Super, super, incroyable. C'était super, en plus on était en France et il y avait une super ambiance et tout, donc franchement, une expérience très positive. C'est toujours un plaisir de chanter la Marseillaise. C'est hyper émouvant et en plus, bah, quand t'entends tout le monde chanter avec toi, forcément, ça donne des frissons, quoi. Yes, oh yes. C'est super, Marie. Yes. Écoutez, en tout cas, bravo pour ces 2 matchs gagnés. Moi, en tout cas, j'ai vu en tout cas une émergence de choses très positives. On va regarder ça. L'état d'esprit, en tout cas, il est bon. Moi, je tiens à féliciter toute l'équipe. Voilà, vous avez vraiment donné. Ça, c'est agréable, en tout cas, de travailler dans un tel contexte. Voilà. Gardons-le. Essayons de construire autour de ça. Mais en n'oubliant pas non plus que l'exigence va arriver. Voilà. Aux entraînements, en tout cas, dans les moments les plus hostiles, il faudra quand même garder cette solidarité, cette exigence envers nous-mêmes. Parce que si on l'a envers nous-mêmes, on l'aura envers les adversaires. OK ? Bravo. Bleu, blanc, rouge, France. À la semaine prochaine.